Ассаламу алейкум. Добрый день всем. Ждем открытия чемпионата Франции по велоспорту. Как мы видим, велосипедисты собрались на стартовой точке. И сейчас должен начаться курс. Так, начало. Все. Партия комасе. Чемпионат Франции. Давай. Жалко, у нас нету камеры. L'autre groupe à quelle heure? Là, encore? Regardez, hein. Tout de suite? Ouais. Il se prépare là-bas. Ah, d'accord. Ça se prépare. Le vélo? Сейчас вторая группа начинает приготовление там на старте. Вот люди бегут посмотреть, что там дальше будет. Кто-то хитрит, перебирается через лес. Так, пошла вторая группа. Как мы видим, время 13:20. Вот вторая группа велосипедистов. C'est bon, ça finit? Pas d'autre? Là, mais il n'y a pas pour l'instant, là. Ah, d'accord. Tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Je vais vous montrer la arbitre. Thank you.
Voilà, on va retrouver donc la tête de course maintenant avec, on le voit donc 1, 2, 3, 4, 5 croix au commandement, un sixième qui essaie de revenir à la hauteur donc des croix installées en tête. Départ rapide, on sait qu'en cyclocross, le départ joue un rôle prépondérant et permet en course. Actuellement donc au commandement va retrouver donc on retrouvera vraisemblablement eh bien, quelques-uns donc des favoris, et notamment les porteurs des maillots tricolores désireux évidemment d'imposer leur course dès le départ. Voilà, pour le moment, le podium n'est pas évidemment complètement dessiné, mais il est indéniable qu'une première sélection est déjà intervenue, alors que l'on salue le couple Sapena, madame et monsieur, qui ont évolué ce matin. Voilà, le leader va déboucher dans quelques instants sur cette partie bitumée qui conduit à la ligne d'arrivée. On rappelle, chers amis, Master 3 et 4 sont en piste pour 50 minutes. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu son transpondeur, là, 282, mais ça ne nous dira rien, ça, à mon avis. Mais voilà. Non, mais il y a quelque chose qui va me dire, qui va me donner une info, c'est évidemment le passage des croix devant nous avec Lionel Janton, installé solidement en tête, plusieurs fois dans le top 10 au championnat de France, champion du monde. Donc, Master, il est installé au commandement. À la deuxième place, nous avons Gérard Bramoulet, le vice-champion du monde. Donc, le premier et le deuxième des championnats du monde. Master installé en tête. Donc dans cette épreuve derrière nous avons en troisième position donc Nicolas Lemaître, à la quatrième place Michael Guillard qui nous vient de Bretagne, qui lui aussi avait brillé au challenge national. À la cinquième place, nous retrouvons Christophe Poussy. À la sixième place, nous avons donc Cyril Chesneau. En septième position, nous retrouvons Cédric Prézelus. Et on continue avec la huitième place, Roland. Oui, la huitième place, ben ça tombe bien, c'est le numéro 8. Il s'appelle Frédéric Demaer. Сама трасса находится с такими барьерчиками. Qui vient de passer devant nous, et derrière lui, eh bien, nous avions donc Loïc Brouard, le coureur de Champagny, et le reste du peloton. Donc cette épreuve, on s'y attendait. Voilà la mainmise des deux premiers du championnat du monde, installés solidement en tête. Et Pascal Bastien, l'un des partenaires de cette organisation, est passé également là. Et je rappelle qu'avant lui, deux de ses camarades sartois, Cédric Prézelus, équipier de chez Champagny, et Loïc Brouard sont passés. Et nous guettons le passage des Master 4, passage imminent pour les meilleurs de la catégorie Master 4. Voilà, bien Roland, donc Lionel Janton est passé en tête. Deuxième, Gérard Bramoulet à 10 secondes. Troisième, Nicolas Lemaître à 23 secondes. Quatrième, Michael Guillard à 24 secondes. Cinquième, Christophe Moussy à 35 secondes. Sixième, Cyril Chesneau à 37 secondes. Septième, Cédric Prézelus à 43 secondes. Huitième, Delmar à 52 secondes. Neuvième, Plantureux à 53 secondes. Dixième, Guidard à 54 secondes. Onzième, Potier. Douzième, Pilate. Treizième, Brouard. Quatorzième, Aurière. Et quinzième, Basquil Bastien. Et David Panier en tête à l'instant devant le 71, m'a-t-il semblé, Christophe Hubert. À vérifier sur le... Ah ben si tu l'as vu, c'est ça. David Panier, Dossard 91, c'est bien ça, est passé en tête. Voilà, David Panier devant Christophe Hubert, c'est bien ça. Et Stéphane Legrand, Christophe Bourra et j'attends la suite. Et ben là voilà, la suite, Pascal Ducret et Olivier Grossette. Voilà, les cinq premiers de la catégorie M4. Et voilà, merci Oignolax. Donc, nous allons retrouver donc, les coureurs dans un court moment. On répète hein, concernant la catégorie M4. David Panier, en toute logique, ancien champion de France, ancien vainqueur du challenge national, est en tête devant Christophe Hubert, qui précède trois petites sessions Alors que Stéphane Lebrun est tout près également. Olivier Aubry, notre prêtrois, est également dans le top 10. Et je rappelle que chez les M3, on a une excellente 7e place pour Cédric Prézelus, une belle 13e place pour Loïc Brouard.
Bastien est 15e. Voilà, donc il y a eu un écart d'une minute trente, je crois, entre le départ des Masters 3 et le départ des Masters 4. Et ils ne sont pas partis ensemble, ce qui explique David Tagier, donc, est passé en 25e position, mais il est bien le premier des Masters 4. Une chose est sûre, hein, à une année près, la hiérarchie a été complètement bouleversée par... 6 minutes 30 déjà. Вот мы видим, le leader, помощники велосипеды на обмен. Для спортсменов показываю вам велосипеды, какие они имеют. 9 minutes, voire près de 10 minutes. On peut imaginer que cet après-midi, on va tourner plutôt autour des 9 minutes. Il y a 3 km et quelques décanettes sur ce parcours. Je rappelle que dans ces deux courses de l'après-midi, la durée, c'est 50 minutes environ. Absolument, mon capitaine. Donc. Cycliste le favori, on peut dire que sa détermination est bien présente. Il est l'un des coureurs les plus talentueux du cyclocross français. Il l'a prouvé à maintes reprises dans le challenge national. Et au départ, Gérard Bramoulet est celui qui résiste le mieux, le coureur normand développeur du canton des Dieux, installé à la deuxième place. Le voilà devant nous maintenant avec un écart donc de 17 secondes entre les deux hommes, respectivement premier et deuxième des championnats du monde. Et il y a fort à parier qu'il sera également premier, deuxième de ce championnat de France, alors que maintenant, nous allons évidemment avoir le passage pour la troisième marche du podium. On est encore assez loin de l'arrivée là. Nous retrouvons donc les coureurs installés en position de podium, avec le passage de Miguel Guillard en troisième position, Nicolas Lemaître à la quatrième place, avec un retard de 45 secondes en cinquième position. Nous retrouvons maintenant donc Christophe Moussy, et à la sixième place, Cyril Chéveux. Voilà les six premiers passés devant nous. On retrouvera l'hommage pour les 7, 8, 9e et 10e. Voilà, c'est courant qui était à une bonne minute déjà. Effectivement, la suite, souvent sur les podiums des championnats départementaux, quand il était un peu plus jeune. Et on attend le retour de David Panier. Voilà, Benoît Guidard, 8e, à la 9e place, Plantureux, et en 10e position, Frédéric Delmet. Les leaders M4 qui vont se présenter dans quelques instants devant nous. Alors pour l'instant, le nombre de tours, je ne sais pas. En tout cas, 9 minutes environ pour les leaders de la catégorie M3. On attend David Panier. Voilà, on retrouve maintenant donc autre concurrent avec à la 11e place donc la Pilate, en 12e position Emmanuel Potier. Et on attend donc les premiers passages des M4. Alors que Loïc Bois, autre Sartois qui fait bonne figure et vient de passer devant nous. Il est 14e et il précède immédiatement Niki Aurier, le Vitréen. Voilà le corps de Vitré qui est à la 15e place sous le regard d'Éric Roussard. Et David Panier qui se présente devant nous, le leader de M4 qui est là. Voilà, et qui remonte plusieurs concurrents, puisque alors qu'il est parti avec une trentaine de retard, il se retrouve à nouveau parmi les 15 premiers de l'épreuve. On va rappeler l'ordre des passages. Donc en tête, Lionel Chanton, deuxième à 17 secondes. Bramoulet, troisième à Miguel Guillard à 46 secondes. Quatrième à Nicolas Lemaître dans le même temps. Cinquième, Christophe Poussy à 1 minute. Sixième, Cyril Chéveux à 1,02. Septième, Présénus à 1,23. Huitième, Guidard à 1,37. Neuvième, Plantureux. Et dixième, Delmar à 1,40. 11e Pilate à 2,04, 12e Petit à 2,04, 13e Broire à 2,17, 14e Aurière à 2,22. Вот образовалась
колея, почему-то я уверен, здесь кто-то должен упасть. Вираж маленький, колея образовалась. Никто не падает. David Panier, comme tu viens de le dire, donc menacé par Mansell, l'écart est de 4 secondes pour 1 à 7 secondes. Hubert en seconde. Donc il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent intervenir. On le voit donc si ça devient très limpide en ce qui concerne les Master 3 avec Lionel Janton. Et en 12e position, Gérard Bramoulet qui en fait le vide. En revanche, pour la catégorie Master 4, on a donc Pasquim Bastia est passé donc à la 27e place. Ah oui, parce qu'il est partenaire également de l'organisation. Donc je précise, une fois, Panier devant Pourra, Legrand, Hubert. Les écarts sont très très serrés. Deluche est tout près. Pommelé n'est pas loin. Pascal Ducré, Crossette également. C'est Connoise Sportive, Bourguignon. On attend le retour également ici de Cyril Chenou. Voilà, donc Christophe Foussier est passé avec 1 minute et 22 secondes, 1:31. Voilà, donc le leader proche d'écart, même s'il a gagné que quelques 5 secondes seulement sur son suivant immédiat, Gérard Bramoulet. Voilà le champion du monde, donc plusieurs fois champion Région-Rhône-Alpes, multiple champion de France, le camp de Bourg-en-Bresse, 22 secondes d'avance venu du canton des Dieux, alors que là nous retrouvons maintenant le passage donc, de Presenius en 7e position, il maintient le cap et reste allègrement donc dans le top 10. À la 8e place, nous avons Kenel Guidard qui nous vient de Mont-Louis. En 9e position, nous avons Delmar. Et à la 10e place, Yannick Flotureux. Voilà pour et le passage maintenant de David Panier qui continue de remonter en un. Les concurrents, il est 11e alors qu'il fait partie d'une catégorie qui est partie avec un retard d'une minute 30 par rapport au Master 3. David Panier, donc, a semble-t-il augmenté son avance par rapport à Cyril. Ah oui, absolument, là, j'ai en Christophe Pourra, le Clermont-Poix. Voilà, Pourra est passé, donc on va voir le passage de son prince. Stéphane Legrand est 3e chez les Master 4. 4e, Christophe Hubert qui a perdu une place, Christophe. Et en 5e position dans cette catégorie, nous avons Eric Pommelet. Et derrière Eric Pommelet, donc Christophe Deluche, qui vient de passer le port de la région de Limoges, qui est d'ailleurs le tenant du titre dans cette catégorie, qui se trouve actuellement en 5e position. Voilà, et bien on va pouvoir redonner les... Mickaël Guillard, 3e à 1:11, 4e but de le mettre à 1:11, 5e, Christophe Foussier à 1:22, 6e, Thierry Chéneau à 1:31, 7e, Presenius à 2:14, 8e, Guillard à 2:21, 9e, Voilà, on a un cas, 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 on a
34, je vais chercher en 8, 9h04, donc en tête, Lionel Chanton, donc Rodasse, deuxième, Gérard Fabien, j'ai entendu à 30 secondes, troisième étape, Villard, Alphane, troisième, il y a juste la levette, Alphane, cinquième, Nissan, Poussin, 50. Посередке детская площадка. В обычное время здесь собираются люди на выходные. Парк такой сосновый, очень красивое место. Вот наши спортсмены, велогонщики гоняются. Так, друзья, подписчики моего канала France Studio, я так думаю закругляться сейчас в данный момент, не буду до конца гонки ждать. Так что оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал и ждем новых видео. Счастливо всем! Вот он наш приз, тому, кто выиграет. Masquine Bastia, donc ossature bois, charpente, couverture, c'est un Salah Labrugière. Il est non seulement compétiteur, mais il est partenaire de ces championnats de France. Masquine Bastia, charpente, couverture, ossature bois, donc c'est un Salah Labrugière. Et notre champion du monde était devant nous, son arrivée imminente. Le temps juste, Daniel, pour rappeler, de la part d'un membre dans l'organisation, les coureurs de la matinée n'ont pas rendu leur dossard et la puce qui va mettre surtout. Très important, des marqueurs 8, 9 ou 6 et 7, les deux équipes, pardon, n'ont pas rendu leur dossard et la puce qui va aller avec. Très, très important. Et on pense plus à quoi auprès de l'organisation. Voilà, merci.